Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Thank you.
Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, au chapitre 52, versets 7 à 10. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion, « Il règne ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix tous ensemble et crient de joie car, de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Connaître sa victoire et révéler sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare. Sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. La terre tout entière. Salut que Dieu nous donne. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux, au chapitre 1, versets 1 à 6. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Ou bien encore, « Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit « Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 allé
Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit: celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oh,
Aujourd'hui, le Fils de Dieu prend visage d'homme. En ce jour où la prière de l'Église nous invite à nous émerveiller de l'humanité de notre Dieu, les uns avec les autres, les uns pour les autres, Jésus, Verbe fait chair, inonde-nous d'amour. Aujourd'hui naît en notre monde le prince de la paix. Nous prions pour tous les pays dévastés par la guerre, pour les peuples subissant le joug d'une dictature. Jésus, Verbe fait chair, donne-nous ta paix. Aujourd'hui vient parmi les siens l'Emmanuel, Dieu avec nous. Nous prions pour tous ceux qu'accable la solitude et le sentiment de ne compter pour personne. Jésus, Verbe fait chair, écoute-nous. Aujourd'hui, le Verbe, la parole de Dieu, vient à nous sous les traits d'un tout petit sans défense. Pour les enfants en manque d'amour, pour les jeunes qui peinent à trouver leur place dans notre société, Jésus, Verbe fait chair, nous te prions.
Thank you.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Servante du Seigneur. Jésus, votre enfant est béni. Sainte Marie,
s'est fait chair. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Oh.
Alléluia. Vierge Marie, tu as dit oui. Alléluia. L'Emmanuel, en toi prend chair. Alléluia.